Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder avec vous tout ce qu'il faut savoir concernant le rodage d'un moteur thermique sur une voiture radiocommandée. Pour réaliser cette vidéo, nous avons repris pour base le Pirate Boomer Indice de chez T2M qui nous a servi pour les précédents tutoriels techniques. Une voiture qui est équipée d'un moteur thermique à tirette de 3 cm3. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel pour vous dire que sur cette auto, comme sur tous les modèles RTR thermiques que vous pouvez acheter, il est vivement conseillé de remplacer le boîtier de réception, le boîtier porte-pile, par un véritable accu câblé, comme celui que nous apercevons ici. Pourquoi faire ça? Le boîtier porte-pile génère parfois de faux contacts, car les piles sont insérées en force. En temps ordinaire, ça fonctionne très bien, mais il faut reconnaître que c'est quand même pas très fiable. Remplacer le boîtier porte-pile par un véritable accu câblé sur lequel les accus ont été soudés entre eux permettra de gagner en fiabilité. Revenons maintenant au rodage qui nous intéresse aujourd'hui. Pour effectuer un bon rodage, nous avons besoin de tout le nécessaire de démarrage que l'on vous a montré dans une vidéo précédente et notamment du kit Nitro Starter qui contient tout l'équipement souhaité. Le kit Nitro Starter est vraiment complet puisqu'il propose le glow et son chargeur, deux clés à pipe dont une de 8 pour pouvoir démonter la bougie, une pipette à carburant ainsi que deux tournevis pour effectuer les réglages du carburateur. On a également besoin d'un carburant spécial pour les voitures radiocommandées. À ce propos, je voudrais insister sur ce point et tordre le cou à certaines idées reçues. Roder un moteur avec du carburant qui contient 16% de nitrométhane ou plus n'a jamais abîmé un moteur. Vous pouvez donc roder votre moteur thermique avec n'importe quel type de carburant, n'importe quelle marque, n'importe quel taux de nitrométhane, pourvu que ce soit du bon carburant, bien entendu. L'important pour bien roder un moteur thermique, c'est de le faire fonctionner dès le départ avec une carburation très grasse. Elle s'obtient en ouvrant exagérément la vis pointeau du réglage de richesse du carburateur. Je vous montre ça tout de suite. Le carburateur est composé de 3 vis de réglage. La vis pointeau de réglage de richesse est toujours située au même endroit. C'est celle qui dépasse du corps du carburateur. Elle est insérée dans un tube en laiton qui mesure quelques centimètres de haut. Pour régler très gras votre moteur, vous devez ouvrir la vis, autrement dit la dévisser, en allant de droite à gauche. Comme ceci. Nous allons maintenant roder notre moteur. Placez votre auto sur un support adapté de façon à ce que ses 4 roues ne touchent plus le sol. Une boîte à chaussures peut également faire l'affaire. Allumez votre émetteur en premier, puis mettez l'interrupteur de la partie réception de l'auto sur ON. Faites-le plein du réservoir. Débranchez ensuite la durite de pressurisation qui se trouve sur le pot d'échappement, puis soufflez dedans pour amener le mélange en direction du carburateur, puis branchez le glow sur la bougie. Puis démarrez votre moteur en faisant de brefs allers-retours avec la tirette du lanceur sans tirer la ficelle à fond. Dès la première mise en route, il est important de vérifier que votre moteur est réglé suffisamment gras pour lui éviter de tourner trop pauvre. Pour ce faire, n'ayez pas peur d'accélérer à fond avec la gâchette de l'émetteur dès le premier démarrage, puis ouvrez la vis de richesse jusqu'à ce que le moteur s'époumonne dans un bruit de raclement, comme on va l'entendre maintenant. Un indice supplémentaire peut vous aider lorsque vous effectuez ce réglage, c'est le pot d'échappement. Celui-ci doit cracher l'huile et de la fumée blanche doit s'échapper du pot lorsque vous accélérez. Ce n'est que passé cette étape que l'on peut commencer le rodage du moteur. Si le moteur cale tout de suite, redémarrez-le en laissant le glow quelques secondes sur la bougie. Profitez-en pour remonter un peu le ralenti en tournant la petite vis concernée de gauche à droite. Si le moteur cale rapidement dès que vous retirez le glow, vissez la vis de reprise en la tournant de gauche à droite et en procédant par 8e de tour à chaque fois jusqu'à stabiliser le moteur au ralenti. Quand le ralenti sera stabilisé,
laissez tourner votre moteur pendant un réservoir. Très important maintenant, stoppez votre moteur avant la fin du réservoir pour éviter qu'il ne s'appauvrisse et qu'il ne se mette à monter tout seul dans les tours. Ce qui pourrait avoir comme conséquence fâcheuse de griller la bougie. Laissez refroidir votre moteur pendant 5 à 10 minutes, puis videz à nouveau un réservoir au ralenti. Après quoi, on peut mettre l'auto en piste et on effectuera 2 à 3 réservoirs avec une carburation toujours très grasse. Pendant le rodage, vous ne devez pas endormir l'auto et vous devez accélérer à fond aussi souvent que nécessaire pour relancer le moteur. Si le moteur est réglé très gras, il n'y a aucun risque à accélérer à fond car il est limité par la richesse du réglage du carburateur. Par conséquent, le moteur ne pourra pas monter très haut dans les tours. Passé 4 ou 5 réservoirs, on pourra commencer par refermer progressivement la vis de richesse du carburateur en la refermant par série de 8e de tour ou de quart de tour au maximum. Quand le moteur sera rodé, laissez toujours une marge de sécurité au niveau du réglage de richesse du carburateur, de façon à le voir fumer et de façon à ce qu'il ne prenne pas ses ultimes tours minutes en fin de ligne droite. Vous éviterez ainsi la surchauffe et prolongerez sa durée de vie.